Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler de choses un peu plus sérieuses sur les prestations sociales. Voilà, j'ai marre dans la rue, tout simplement, pour changer un peu de décor, au lieu de toujours la maison, tout ça là. Donc aujourd'hui, je vais parler des prestations sociales. Et c'est normal parce qu'il faut changer un peu. Alors, tout simple, comme il fait beau, hein, c'est normal. Bon, bref, moi, il y a des choses que je suis contre, tout simplement, des choses que je suis contre, comme tout le monde. Je trouve que, voilà, je suis contre. Pourquoi ? Parce que dans certaines prestations sociales, je trouve qu'il y a une limite. Par exemple, je devais faire une vidéo hier, pas pu la faire. Bon, bref. Alors, tout simple. Sur cette histoire, tout simple, c'est que dans le problème le problème des prestations sociales, comme par exemple l'allocation pour enfants, il y a un petit problème. Un petit problème, c'est une histoire, bien sûr, hein, sur l'histoire. Alors, vous savez que dans les années 45, quand après la guerre, exactement 46-47, on a commencé à créer. Dans les années 40, fin 40, parce que début 50 peut-être, si je ne sais pas de conneries, bon bref. L'allocation, l'aide à l'enfant, l'aide à l'enfant, tout simplement, dès que un certain, comme la populace était un peu moins réduite, on va dire, la France elle a fait un combat contre l'Allemagne, bon c'est l'histoire quoi, tout simplement. Et donc, tout simple, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a toujours ces allocations familiales qu'on appelle l'aide à l'enfant. Voilà, pour par exemple, un couple a un enfant, bien sûr, quand on a un enfant, pendant 3 ans, on a l'allocation l'aide à l'enfant jusqu'à la majorité, jusqu'à 3 ans, pardon, et bien sûr, dès qu'on a 2, c'est jusqu'à la majorité les 2. Voilà, c'est comme ça. Et ainsi de suite. Bon, bref. Donc, pourquoi je suis contre ? Parce que maintenant, aujourd'hui, on est peuplé. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas arrêté cette allocation familiale. Celle-là, normalement, elle aurait dû être arrêtée dans les 2000. Même un tout petit peu avant, mais dans les 2000. Vous voyez, elle aurait dû l'arrêter. Il y a beaucoup de prestations que normalement, aide beaucoup. Ouais, je trouve qu'en même temps, c'est bien d'aider les citoyens. Tout à fait, c'est normal. Mais là, il y a un abus total. Attention, il y a un abus total. Alors, bien sûr, j'ai parlé des allocations des handicapés aussi. Ça, par contre, je suis par contre, qui est normal. Un handicapé a droit d'avoir son revenu, on va dire. De temps en temps, il peut être valide, invalide pendant un bon moment et avoir un handicapé peut être valide. Après, ça dépend des handicapés. Comme moi, par exemple, handicapé visuel, là, bon, on peut donner son allocation tranquillement à, on va dire, à 825, par exemple. Voilà, à plein pot, 825 euros, à plein pot, on va dire. Sans compter l'aide autonomie, que là c'est encore un peu plus. Là, il faut être dans le monde ordinaire pour l'avoir, cette allocation. Ça, par contre, je ne suis pas contre. Par contre, des faux handicapés, il y en a beaucoup. Et ça, par contre, je suis contre. Et beaucoup même. Il y en a un qui va se reconnaître sur Internet, il s'appelle Monsieur Bruno, l'Allier, bien sûr. Je donne son nom de famille, c'est pas grave. Je trouve que lui, il a une allocation qu'il n'a pas le droit de l'avoir. Tout simplement, parce qu'il n'est pas handicapé. C'est une personne normale. Normalement, pour un mal de dos, moi, je trouve que je suis contre. Point barre, t'es pas handicapé, c'est pas un handicap. Tout le monde peut être handicapé le jour au lendemain. Non, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça. On peut être handicapé de naissance. On peut être handicapé d'accident de voiture. On peut être handicapé d'accident de travail. Et tout ça, là, je suis d'accord. Mais pas un handicapé qui n'a rien et le mec il n'est pas handicapé, ça je suis contre. Aussi une autre allocation, l'allocation aide à logement, qui est très bien. C'est normal, on peut aider. Je trouve que c'est tout à fait normal. Vraiment tout à fait normal d'aider les gens.
financièrement. Mais de la réduire pour rien, là je suis contre. Je trouve, là franchement je suis contre. Ça, c'est ça. Voilà. Pour un internaute qui m'a parlé la dernière fois pour les prestations sociales, d'avoir déjà l'allocation pour adultes handicapés, c'est pas les gauchistes qui l'ont inventé. Déjà d'une, c'est Monsieur De Gaulle, avec Monsieur Chirac, à une certaine époque. Faut s'informer, d'accord? Donc, faut s'informer énormément là-dessus. Là, c'est une grosse connerie que vous avez dit. Les socialistes n'ont jamais créé ce domaine-là. C'est pas les socialistes qui l'ont créé, l'allocation adulte handicapé. L'aide à logement, ce n'est pas les socialistes qui l'ont créé non plus, c'est l'UMP, à l'époque, hein, on dit, malgré que c'était pas l'UMP encore le nom. Déjà ça. J'ai dit un peu tout parce que j'ai une envie de dire. Il faut dire les choses. Il faut dire honnêtement les choses. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il faut parler. Il ne faut pas dire toujours que c'est. Voilà, que les gauchistes n'ont rien inventé. Si ils ont inventé, à donner à n'importe qui. Voilà. Voilà ce qu'ils ont inventé, c'est tout. C'est ça que je suis contre. Donc tout simplement, ça, c'est un gros frein à main. Là. Aussi un autre abus qui est grave, qui est un autre abus qui est important aussi. Là, on va parler sur l'APL. Encore, je vais reparler sur l'APL. Un abus, et j'ai rien contre personne. Il y a des personnes, on va dire, qu'ils ont une APL, qu'ils ont deux femmes. Vous savez qu'aux yeux de la loi, c'est interdit d'avoir deux femmes. En France. Bon, bref. Mais à l'époque, l'erreur, elle était là. Mais, parce que c'était, la polygamie n'était pas reconnue. Hein, on s'en foutait complètement. Mais après, d'avoir. C'est pour ça qu'on revient encore sur l'aide à l'enfant. Trouvez-moi un couple qui a 14 enfants, avec deux femmes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal celle-là. Voilà. Voilà, il y a ça que je suis contre. Moi, je ne suis pas contre la polygamie, je suis pas contre tout ça, je m'en fous. Mais l'aide sociale de ce domaine, non. Voilà, pour ça. Alors, moi, je voulais venir sur une question qu'on m'a posée sur Internet. Que, bah, sur la chaîne, quoi. Est-ce que je suis contre les juifs? Non. Je ne suis pas contre les juifs, je ne suis pas anti-juif, je ne suis pas anti-ceci. Par contre, je suis anti-Israël. Et on va dire direct. Parce que, comment expliquer, ça déclare la guerre aux voisins. Hop, ça déclare la guerre aux voisins. Que normalement, ils ont volé le territoire de la Palestine. D'accord? Ils ont volé le territoire de la Palestine. Etc. Après, ça a été reconnu dans les années 80, oui. C'est reconnu que la Palestine, en fin de compte, c'est un pays, tout ça. Il y a plein de trucs comme ça qui a été. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas anti-juif, anti-machin, je ne suis pas anti tout ça, c'est des conneries. Ça. C'est pas ça. C'est la question. Moi, je suis contre un gouvernement de cacahuètes. Qui se prennent mieux que tout le monde et qu'en fin de compte, eux-mêmes, c'est des trous du cul de balle. Tout simplement. Alors, quand je parle d'Israël, là c'est Israël, pour moi c'est ça. Hein, j'ai pas envie de raconter l'histoire de catholique et tatati. Bon, maintenant je vais venir sur des questions qui sont un peu étranges, qui n'ont pas été posées par les chaînes, mais par contre c'est sur Facebook que j'ai vu ça. Hein, donc. Là, c'est pour ça que j'ai plus le titre, vous l'aurez après. Alors, la France, disons, la religion catholique, elle n'a jamais imposé la religion en Afrique, peut-être, par mon cul. Non, c'est faux. Bien sûr qu'elle s'est fait imposer, elle a imposé à d'autres pays la religion chrétienne. En domaine colonial, donc tout simplement, donc dans les colonies, comme
Portugal, l'Espagne, hop, comme la France, etc. Bon, l'Angleterre, etc. Voilà, tous ces pays qui étaient catholiques. Oui. Oui, bien sûr, on l'a imposé. Oui, je confirme, oui, on a imposé aux autres pays la religion chrétienne. Point barre. Donc, voilà pour votre information. Donc, non. Eux, je sais pas, il n'y a pas de guerre de religion, c'est tout simplement les États qui veulent faire, qui veulent imposer une religion tout simplement unique dans le monde entier. Ah, peut-être. Voilà, c'est mes conditions personnelles. Moi, je fais ce que je veux, je dis ce que je pense. Voilà, c'est juste ça. Donc, tout simple. Alors, je suis à la gare de Mantes. Tout simplement. Voilà, je suis dans la gare de Mantes, hein, parce que je me promène un peu. J'ai eu des petites courses à faire tout à l'heure. C'était une galère, je pouvais pas filmer, rien du tout. Et en plus, j'avais pas de batterie. Tout simple. Donc, voilà. Et donc voilà pour les petites questions très intéressantes qu'on m'a posées. C'est bien, mais il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me traite franchement énormément de illettrés, une maladie bidon là qui sert à rien, là que vous êtes en train de sortir sur le web. Donc tout simple. Et bon bref, hein, tout ça là, c'est des trucs à éviter d'écrire parce que c'est pas bien du tout. Tout simple, c'est des choses que vous n'êtes pas intelligent vous-même parce que vous écrivez des choses que vous faites l'intello, vous êtes un télo. Et en réalité, vous n'êtes pas un télo, et vous n'avez jamais été un télo là-dessus, donc, tout simplement. Donc voilà dans ce que je voulais dire dans ce domaine. Donc il faut éviter d'écrire n'importe quoi sur. Sur la chaîne YouTube un peu, hein. Parce que là, à partir de là, moi je bloque, je fais un blocage aux choses, tout simplement. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà, je donne quand même des petites infos qui n'est pas normal pour critiquer, insulter, ça c'est quelque chose que je. C'est chiant, quoi. C'est chiant, vous ne respectez personne. C'est par contre, c'est pas bien du tout parce que vous faites croire que c'est. Moi qui ai la haine, et en réalité j'ai pas la haine, rien du tout. Donc voilà, j'ai des amis qui sont musulmans, des amis français aussi, comme Junono. Là maintenant il se débrouille très bien mon petit Nono. Hein. Donc DJ Nono, pareil, il se débrouille très bien. Moi je suis content parce que ça y est, il a activé lui tout seul, faire une vidéo tout seul. Ça c'est, moi je suis content pour mon Nono, c'est bien. Donc voilà. Là je me promène. Donc la ruse là, elle a été. Donc tout simplement que il se débrouille très bien. Il faut qu'il se débrouille tout seul, à faire des vidéos tout seul. Bien sûr, moi. Ça par contre il faut que je demande, je pose une question. Vous pouvez aller sur la chaîne Olivier, c'est vrai, c'est Olivier l'aîné. Je l'appelle la pelote de laine pour rigoler, parce que ça, on est vrai, des vrais copains, c'est un bon moment. Bref, voilà. Vous pouvez mettre soit un lien sur ma chaîne, ou un lien sur la chaîne à Olivier l'aîné, pour par exemple comment faire lire sa carte. Parce que déjà, je n'arrive pas à trouver, j'ai pas réussi à lire sa carte SD. Pour la lire sur le PC. J'ai pas trouvé, j'ai rien compris du tout, pourtant je connais comment ça fonctionne. J'ai un PC à ma femme, j'avais déjà un PC avant, donc j'avais un compact. Après je suis passé chez HP, mais bon, j'ai pas compris pourquoi, j'arrive pas à lire la carte SD de Nono. Donc je sais pas, il n'y a pas de configuration à faire pourtant. Pardon. Ouais, on fait une petite photo au prochain. Non, vidéo. Oui, je suis sur YouTube. Voilà. Donc, salut, bon voilà. Donc, comment dire en gros, tout simplement, bon voilà, il y a un petit ça. Envoyez-moi un petit lien, je vais faire ça. Je vais voir comment il faut faire, tout ça. Que je puisse, bien sûr,
paramétrer le truc à Nono, parce que je voudrais bien. On a fait une petite vidéo, disons, je l'ai aidé pour faire la petite vidéo, lui faire comprendre comment faire tourner la caméra, tout ça. Ah, pas de problème. Pourtant, j'ai à peu près la même que la mienne. En dessous, sa part, lui, c'est un HD. Moi, c'est un 4K. Bon, c'est déjà pas mal. Là, aujourd'hui, je filme en 4K. Donc, en 4K cahouette. Donc, voilà, tout simplement. Donc, là, je me promène un peu. Et en même temps, j'ai une petite chose que je vais dire aussi sur, sur ma chaîne. Je m'en fous, je dis ce que je pense. Donc, bref, voilà, je vais y arriver, les gars. Donc, tout simple, les gars, les filles, comme vous voulez. Il m'est arrivé une petite histoire. Récemment, ça fait une semaine, quoi. Ouais, une semaine, même deux. Ouais, une semaine, deux, j'en sais plus. J'ai reçu un PV, deux. Deux. J'ai déjà fait sauter deux PV, j'ai déjà fait sauter un. Là, je dois faire sauter deux PV. Donc, pourquoi ? Mon véhicule était garé à la limite d'un arrêt de bus et à la limite d'une entrée. Donc, il veut dire que la voiture pouvait passer. La voiture pouvait passer et le bus pouvait s'arrêter. Il n'y a pas de problème, il génère rien du tout. J'ai un macaron sur la voiture, sur le boxeur, il a un macaron, un peu bizarre, j'ai quand même reçu deux PV. Donc stationnement gênant, en réalité pas gênant. Je paye, mais pas pourquoi, 35 euros, mais ça m'a fait rigoler. J'ai dit n'importe quoi, j'ai dit bon d'accord, c'est pas grave, je vais les faire payer. Donc j'envisage d'aller demain après-midi, faire sauter ces PV à deux balles. Donc je vais régler le problème tout sous. Donc je vais essayer de faire sauter la PV direct. Donc déjà c'est pas trop grave, mais bon, c'est comme ça. Donc ça m'a fait rigoler, donc j'ai dit bon d'accord. La volaille, c'est pas regardé, c'est pas marqué, c'est marqué gogol dessus, mais c'est pas grave. Mais bah bref. Voilà. Hein, les gogoles, quand je dis que c'est pour rigoler, hein, vous savez, moi je suis habitué de déconner à fond, de déconner comme ça, j'aime bien trop déconner. Donc tout simple. Donc voilà. Donc tout simple. Hein. Voilà. Avez les gars. Ouais. Ouais, j'ai en train de travailler les gars. Hein. Bon allez, donc voilà, tout simple. Voilà, tout simple. Donc voilà. Donc en gros, tout simplement, il y a eu ça, et ça m'a fait rigoler, mais bon, j'ai dit bon, il faut que je fasse sauter ces conneries-là. Non, je sais pas, la police municipale, pourtant, elle le sait très bien, quand il y a un macaron sur un véhicule, bon, on évite de mettre une amende, quoi, c'est, à la base c'est comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est... C'est vrai que j'ai eu un petit problème parce que pour faire il voulait pas. Donc il voulait rien savoir, je sais pas, il a fait un coup de calcaire. J'ai dit bon bah, c'est pas grave, hein, il a fait un calcaire, il a peut-être bu une bière, je sais pas, la bagnole, elle avait faim. Bon bref, vous inquiétez pas. Donc voilà. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Et donc voilà, j'ai fait ce qu'il faut. Voilà. Voilà pour petite information, bien sûr, hein, c'est de tout, de rien, c'est bof, hein, petite info, mais bien sûr, il y avait des infos intéressantes dedans, quoi. Voilà, bon bref, bah, si vous voulez, liker, partager la vidéo, et après, poser des questions, mettez des liens, donc, à certains sujets qui peuvent vous intéresser, comme je vous explique la dernière fois. Par contre, c'est marrant, je vous avais posé la question de choisir qu'est-ce que vous voulez comme musique, de bonnes musiques, que je puisse remixer, musique latino, musique à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Le problème, c'est que la majorité vidéo, c'est que j'ai un petit souci, c'est quand je balance du son, je me retrouve en interdiction, et ça m'énerve. J'en veux à YouTube là-dessus, ou peut-être il faut que j'achète je vais acheter les droits, ça m'énerve, mais bon. voilà. Bah écoutez, voilà, c'est les petites informations que je voulais vous dire, parler, partager, voilà, c'est juste ça. Donc écoutez, tout simple, hein, je vais voir. Bon allez, avant que je coupe, il y aura une petite nouveauté bientôt chez moi. Attendre un peu, mais il y aura une petite nouveauté, hein. Vous inquiétez pas, une petite nouveauté chez moi qui aura. J'en aurai quand même pour 1800 balles de matos, encore en gros 1900 balles.
de matériel professionnel, bien sûr, en restant, je prends la marque Eloquence parce qu'elle est beaucoup moins chère pour moi, quoi, en restant dans la qualité. Je vais pas prendre, du Ibiza à la noix parce que ça vaut que dalle. Et j'ai pas envie d'avoir les sons dégueulasses dans mes oreilles. Et en plus aussi, je vais mettre mon ampli à la poubelle. Voilà, parce que l'Interim, ça y est, il est mort. Il y a quand même 14-15 ans, bon bref, il est mort, c'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, salut et bonne partagez la vidéo, bonne continuation, bye bye.